Pour son 20e anniversaire, les couloirs Patrimonia étaient bondés cette année et l'euphorie régnait. Une euphorie presque irrationnelle portée par des marchés qui veulent monter contre tous les risques et les incertitudes. Et même si l'on n'a pas envie de bouder son plaisir, la question se posait de savoir si les arbres montent au ciel. Non, en général non, il n'y aura pas d'exception cette fois-ci, mais la bonne affaire du moment, c'est effectivement ces marchés encore. Bon, on va avoir des moments de consolidation, des périodes de correction qui sont totalement normales quand on est allé assez vite. On va peut-être un tout petit peu redécouvrir que tous les problèmes structurels de l'Europe ne sont pas gérés, tous les problèmes structurels du monde ne sont pas encore gérés, mais il y a quand même des raisons d'y croire. Et un peu de bonne humeur de temps en temps, ça fait plaisir. Non, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et donc on essaye de garder la tête froide. Et on pense qu'on garde l'optimisme sur les marchés, mais on est relativement prudent aujourd'hui. Je ne dirais pas que je suis inquiète sur le marché globalement, je suis plutôt sereine, mais raisonnablement sereine. Il y a des risques, on le sait. Maintenant, ce sont peut-être moins des risques systémiques comme on a pu connaître par le passé. Alors, les arbres ne vont pas jusqu'au ciel, mais très clairement, la hausse devrait pouvoir se poursuivre parce que ce qu'on est en train de vivre, c'est la puissance du cycle mondial. Et pour la première fois en 2014, on va avoir une resynchronisation de la croissance mondiale. Et ça, c'est sous-estimé par les marchés aujourd'hui. Bon, vous savez, même si ça a monté, il y a encore un gros potentiel. Parce qu'on est quand même en phase de redémarrage économique, même si on ne le voit pas encore beaucoup, mais les États-Unis tirent quand même vers le haut. L'Europe va se mettre en branle beaucoup plus lentement, mais non, les actions ont encore un potentiel important. Il y a du retard qui a été pris, il y a des belles perspectives si on choisit bien ces thématiques. Donc les actions ont bien monté, mais il y a sans doute encore pas mal de potentiel, surtout si on a du temps. Alors si vous faites référence juste au marché d'actions, il a progressé de 15% depuis le début de l'année, alors tout le monde se dit est-ce que ça peut continuer? Je dis juste que les entreprises dans le même temps ont réduit leur dette. Donc en termes de valeur d'entreprise, market cap plus la dette, la progression n'était que de 5%. Donc il y a encore de la place pour aller un peu plus haut dans le ciel. Ben, les arbres ne sont pas au ciel, après ça dépend, vous savez, un marché est composé de valeurs, il y a des valeurs qui ont peut-être déjà dépassé des niveaux qu'elles n'auraient pas dû dépasser et d'autres qui pour nous devraient s'apprécier. Parce qu'elles n'ont pas encore été justement regardées. On pense au cyclique, on pense à certaines valeurs bancaires. Je ne vous cache pas, c'était plus facile de trouver des idées là encore aujourd'hui. Donc j'ai des idées qui sont doublées, des valeurs qui sont doublées. Donc on trouve des idées, mais avec un peu plus de. Il faut être plus malin, il faut chercher plus, il faut travailler plus. Non, les arbres n'en vont pas au ciel, mais ils peuvent être près des nuages. Oubliez la crise obligataire et effacez le risque systémique et vive les anglicismes. Mais il ne fallait pas oublier que quantitative easing, en clair, ça veut dire planche à billets. Alors le Black Swan s'est-il envolé et le risque obligataire a-t-il disparu? Ah, il n'a pas disparu. Sur les obligations souveraines, Jean-Pierre, depuis le début de l'année, on perd de l'argent. Non, ce risque obligataire, il s'est concrétisé depuis le mois de mai. Début mai, les taux américains touchent leur plus bas. Fin mai, M. Bernanke explique au marché que la fête est finie. Personne n'a intérêt à ce que ça pète, donc moi je pars du principe que les banquiers centraux feront leur travail et que, eh bien ma foi, même sur le souverain, il n'y aura pas trop de dégâts, mais il y aura un petit peu de souffrance quand même. Il y a aujourd'hui un risque significatif sur les obligations gouvernementales du G4. Parce que le monde entier a acheté ses obligations de manière mécanique. Au cours de ces 2-3 dernières années, depuis la crise de 2008, les modèles de risque ont forcé des investisseurs à acheter des obligations qui se sont avérées aujourd'hui hors de prix. S'il y a remontée aux États-Unis et il y aura remontée aux États-Unis, bien entendu, effectivement, l'Europe suivra. Mais nous le pensons très clairement dans des proportions qui seront nettement moindres. Donc nous ne sommes pas inquiets sur le marché des taux. Je pense moins à une remontée brutale qu'à une remontée progressive, mais c'est vrai qu'il faut en tenir compte en exigeant un peu plus de rendement des actifs qu'on choisit. Ces mêmes modèles de risque qui ont forcé les institutionnels à acheter des obligations du Trésor américain, par exemple, vont au cours des mois et des années à venir les forcer à les vendre. Ce rythme de hausse sera très contrôlé. On voit bien que les banquiers centraux partout dans le monde sont attachés à ce que les mouvements se fassent dans la sérénité. Certains disent que les banquiers centraux deviennent illisibles et que la volatilité va s'accentuer en conséquence. Et vous, qu'en pensez-vous ? Vous faites allusion à la Banque centrale américaine qui nous annonçait le ralentissement de son programme de rachat d'actifs et qui ne l'a finalement pas fait. En revanche, les taux ont monté. Rappelez-vous que depuis le discours de Bernanke au mois de mai, les taux longs ont pris quasiment 100 points de base. C'est une hausse des taux sans le dire, sans le faire, c'est magnifique, c'est le rêve du banquier central. Non seulement on a du mal à comprendre les banquiers centraux, mais on se demande si les banquiers centraux comprennent eux-mêmes ce qu'ils disent. Donc on a cette ancienne phrase de Greenspan, je crois, qui a dit un jour « si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé ».
C'est clair qu'on rentre dans un mode de communication un peu différent, mais à nous de nous adapter et de réagir à bon escient. Et sur les SCPI, la collecte est au top, mais chut, ne soufflons pas la bulle. Là aussi, les gérants sont optimistes. Oui, parce que l'immobilier dans les SCPI, c'est aussi un produit avec une certaine inertie qui nous permet une bonne stabilité des rendements et des performances. On peut déjà imaginer cette année une stabilité en termes de valeur, hein. Il n'y aura pas d'évolution, hein, voire négative. En termes de rendement, elle se perd toujours aux alentours d'une stabilité à 98%, 99% de la rentabilité. Donc non, ça ne monte pas au ciel, mais aujourd'hui, on a un marché qui résiste. Hein. Pourtant, certains assureurs semblent commencer à lever le pied sur l'immobilier. Mais ils sont fous, ces indépendants? La SCPI, un petit peu en retrait de notre fait, puisque nous, on demande à nos conseillers d'être prudents sur la SCPI. On n'est pas à l'abri de retour sur les valeurs dans un ou deux ans. Donc on ne veut pas subir cette crise-là. En revanche, au niveau des OPCVM, c'est vrai qu'il y a un frémissement, il y a un intérêt nouveau sur les OPCVM. Frémissement. Alors justement, comment ça va chez les assureurs sur la collecte et sur le rapport entre fonds en euros et UC? Chez nous, la collecte reste très positive. La collecte brute augmente de 80%, la collecte nette est quasiment multipliée par 3, donc c'est plutôt positif. On n'a pas de problème de décollecte, ni sur le fonds euro, ni sur les UC, puisque nous avons un taux d'UC qui continue à progresser sur la clientèle patrimoniale, donc c'est vraiment intéressant. Et on voit que les CGPI reviennent sur les unités de compte, ce qui est un élément de confiance dans les marchés et de sérénité. Sur les fonds général, on est par rapport à l'année dernière à périmètre légal. Et en revanche, on a quand même accentué sur les UC, on est plutôt satisfait. On fait une très belle progression sur les UC puisqu'on a plus 42% sur les UC. Et donc effectivement, on est en légère décollecte sur le fonds en euros. On ne sent pas de décollecte sur le support euro, mais évidemment une appétence particulière sur la dimension UC. Et on collecte beaucoup plus sur les UC cette année qu'on ne le faisait l'an passé. Et on a gagné 10 points de collecte UC cette année. Bien sûr, personne ne voulait livrer d'informations sur la rémunération des fonds en euros cette année. Quoique. Il est fort probable qu'elle soit inférieure à celle de l'an passé. Bon, ok, on n'en saura pas plus. Revenons dans les couloirs. Est-ce que les CGPI sont toujours au centre de la stratégie de leurs partenaires? Alors oui, complètement. Il y a eu beaucoup d'articles, en l'occurrence sur AXA. Et ce qu'il faut savoir, c'est que encore plus aujourd'hui et demain qu'hier, on a vraiment axé notre développement sur le marché des CGPI. D'ailleurs, on va fêter prochainement les 20 ans de Théma. Ils ont seulement les 20 ans de Théma, c'est les 20 ans de la profession. Parce que c'est en grandissant avec les conseillers que Fidelity grandira. Les CGP sont nos partenaires historiques et auront toujours une importance pour nous en matière de développement. Aujourd'hui, ils représentent environ 40% de notre activité et nous comptons bien développer les partenariats avec les CGP qui sont de plus en plus professionnels et de plus en plus nombreux. Parce qu'on aime bien s'associer avec ceux qui nous ressemblent. Nous-mêmes, la valeur qui nous structure et qui est la seule qui va nous porter pour la suite, c'est celle de l'indépendance. C'est celle qu'on met en avant auprès de tous nos clients, d'ailleurs qu'ils soient institutionnels, distribution ou indépendants, c'est l'indépendance. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on se comprend, on se rejoint avec cette clientèle qui est là. Donc ça reste au cœur de notre stratégie. Et ce que l'on pense, c'est que cette indépendance, on voit effectivement qu'elle est un peu challengée par nos amis, chez nos amis anglais par l'évolution réglementaire. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'affiliations, il y a beaucoup de regroupements. Et quand on regarde ce regroupement de près en Angleterre, on voit que ce sont des indépendants qui rejoignent des structures qui elles-mêmes ont une nature indépendante. Simplement, elles sont un peu plus larges. Il fallait bien parler réglementation et les discussions allaient bon train dans les couloirs avec un certain optimisme là encore. Les conseillers indépendants en France sont au jour d'aujourd'hui mieux armés que les conseillers anglais il y a quelques années en arrière, notamment sur les rétrocessions et la transparence des rétrocessions, et également sur un sujet très important qui a expliqué une grande partie de la disparition des conseillers en Angleterre, c'est la formation. Si beaucoup de conseillers en Angleterre ont disparu, ce n'est pas la seule raison des rétrocessions, c'est parce qu'ils n'ont pas souhaité se mettre à niveau en termes de formation. Je dis, il n'y a pas de souci, on garde les rétrocessions. Pourtant, certains partenaires commencent à changer la structure des rémunérations. On ne peut pas dire que ça fasse l'unanimité. Parce que c'est bidon. C'est un partenaire pour qui j'ai certainement beaucoup d'estime. Mais je pense que, un, ça tombe mal parce que c'est négatif au moment où on a gagné les rétrocessions. C'est une excellente initiative. Je trouve que, encore une fois, proposer des possibilités par rapport à cette réglementation plutôt DIA2, c'est une bonne chose.
Après, quand on regarde dans le détail, effectivement, par rapport notamment aux préconisations de l'AMF de cet été, elles répondent aux aspects de traçabilité, de transparence, d'informations préalables, d'apport aux clients, ça n'allait pas. Est-ce que ce sera suffisant pour donner une réelle solution par rapport à quelque chose qui nous viendrait de la Commission européenne? Je ne sais pas. Je pense que ce partenaire, en créant ça, a au moins le mérite de faire réfléchir l'ensemble des assureurs. Mais je ne suis pas persuadé que ce soit la solution ultime. Donc à ce stade, je considère qu'il n'y a pas d'enjeu et il n'y a pas de risque majeur. D'autres, un peu seuls encore, pensent pourtant que les regroupements sont indispensables. On en était très convaincus et maintenant on est résolument optimiste quant à notre possibilité vraiment d'aider des cabinets à se structurer, en s'appuyant clairement sur notre expérience. Puisqu'on a la chance d'être la filiale d'un PSI qui est très structuré. Il est probable que les cabinets français aient un intérêt également à se lier à un institutionnel. Et nous, on dit depuis le départ que, quitte à se lier, autant de le faire auprès d'un PSI qui, lui, naturellement, travaille en architecture ouverte. Et pour conclure, au-delà des questions habituelles, de vraies innovations cette année sur le salon, ce qui prouve bien, si besoin était, le dynamisme du marché des conseillers indépendants qui sont toujours des incubateurs de solutions novatrices. Les régulateurs devraient s'en souvenir, non ? On aime les infrastructures parce que c'est un actif qui procure des rendements assez prévisibles, même très prévisibles, de très bons niveaux et sur des durées très longues. Donc il y a vraiment matière à proposer un produit financier original. Ça fait quelques semaines, quelques mois qu'on travaille sur ce sujet. Et aux surprises, la Caisse des dépôts, la semaine dernière, annonce son projet. Donc on a décidé de les doubler juste avant la ligne d'arrivée en annonçant cette semaine à Patrimonia le lancement d'un FCPR viager. C'est surtout un outil d'aide à la décision. C'est un outil qui permet d'avoir concentré sur un seul et même modèle la capacité d'avoir de l'analyse technique simplifiée et d'éviter ainsi d'avoir à opérer sur des outils ultra professionnels plutôt que celles de marché. D'avoir quelque chose qui permet d'avoir tout de suite les niveaux d'achat, niveaux de vente, d'avoir une tendance sur différents fonds. Et surtout, ce qui est novateur, c'est de l'avoir sur des fonds. Alors, c'est un fonds qui va investir dans quelques dizaines d'appartements. Donc, mutualisation du risque. On a passé un partenariat avec le premier cabinet de viager parisien. Le but du jeu, c'est d'acheter donc, des appartements sur Paris. On est dans l'immobilier, hein, donc la plus-value, on l'a fait comment ? On l'a fait au moment de l'achat. Les performances sont les mêmes, qu'on soit ISR ou pas. Alors finalement, pourquoi se priver du plaisir de faire aussi des choses qui sont bien en ligne avec les valeurs ? Ça, c'est notre actualité. On a créé un fonds FCOM Africa, qui est géré localement par Marc Kamgang, ici présent. Ça nous a demandé beaucoup de travail de préparation, mais il y a vraiment beaucoup de potentiel sur l'Afrique et on y croit beaucoup. Les FCPR, notamment les FCPR de rendement entre guillemets, doivent apporter plus de bénéfices au portefeuille à un moment où la volatilité est trop élevée. C'est parti, le jour qu'on l'attendait est là et on est ravis parce que beaucoup de partenaires sont venus à notre rencontre. Et bien Jean-Pierre, grâce à vous aussi, grâce à Club Patrimoine, on a pu avoir beaucoup de gens qui sont venus nous voir. Et bien voilà, c'est fini pour cette année. On a bien compris que nous étions en pleine mutation et que l'actualité ne nous laisserait pas de répit. Alors rendez-vous à Patrimonia 2014 et comme dirait Bogdan, gardez-vous bien.